Bismillahirrahmanirrahim. Comme monsieur l'expert en qualité, sécurité, hygiène, environnement, donc je vous présente une thématique très importante, à savoir la sécurité et prévention des risques. D'ailleurs, c'est quoi un accident de travail? Alors, il est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Alors, c'est un extrait d'article du Code de la Sécurité sociale. Je vous présente une petite introduction, trois titres et une conclusion. Les titres, bon, c'est quoi une analyse a priori, c'est quoi une analyse a posteriori, comment intégrer la sécurité dans une entreprise ou bien dans un atelier. Alors, comme vous savez, l'accident est complexe et il est coûteux. Et il a de nombreuses causes possibles. Chose qui nécessite une analyse. Pour l'analyse, on a deux types d'analyse. Une analyse a priori, et sans jugement ni idée préconçue. Une analyse a posteriori, à partir de faits observables et de témoignages. Alors, tout ça pour mettre des solutions de prévention et mettre des barrières de sécurité. Alors, l'analyse a priori, la démarche. Donc, il faut penser à tous les accidents possibles, afin de trouver les solutions préventives. Le but, donc, c'est parer au maximum d'accidents. Donc, il faut avoir une cartographie des risques, voire même une hiérarchisation des risques. Comment recueillir les faits relatifs à un accident? Alors, on doit collecter des faits concrets, précis et objectifs. Pour examiner l'ensemble des éléments de la situation de travail. Qui fait quoi? Quand? Comment? Où? Et pourquoi? Troisièmement, il faut penser à toutes les éventualités possibles, à partir d'un brainstorming et un diagramme cause-effet, qui sont des études qualité. Alors, on souhaite, comme exemple, on souhaite construire un cuve contenant du gaz toxique. Il nous faut penser à toutes les éventualités possibles pouvant créer un accident. Donc, les possibilités, soit une corrosion interne, soit une corrosion externe, soit une première fuite simultanée déjà détectée. Donc, on est rassuré, soit une interruption de surveillance. À propos des corrosions internes, externes ou donc dans des soudures, donc il peut donner des petites fuites.
Donc, l'interruption de surveillance et une première fuite simultanée déjà détectée, donc, peut entraîner la non-détection de la petite fuite. Donc, l'indifférence. La non-détection de la petite fuite avec la présence de la fuite. Donc, donner des perçages et piquages. Suite à une défaillance de conception ou de conception, ainsi que des défauts de maintenance, peut donner lieu à la fuite du produit qui est dans notre exemple toxique, bien sûr dangereux. Alors deuxièmement, l'analyse a posteriori, la démarche. Donc lors d'un accident qui s'était passé, donc l'accident est là, on cherche à comprendre en suivant la règle des 3QOC, bien sûr, afin de trouver des solutions de prévention et mettre fin à ces accidents. Exemple, un employé s'est broyé le bras dans la broyeuse pendant un changement de matériel. On va réaliser un arbre des causes pour comprendre ce qui s'est passé et éviter ainsi de tout nouveau accident. Alors, le bras a été broyé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La main dans le broyeur. Donc, la cause, c'est le broyeur en marche. La main a tombé à la renverse suite à un glissement. Glissement était la cause fort probable si sol glissant, aire de travail encombrée, chaussures inhabituelles, le réparage de la clé. À propos de sol glissant, c'est un poste non nettoyé. Et à propos de réparage de la clé, donc soit la clé est usée, la cause, soit bloquée, les écrans sont arrondis. Donc, il a changé la grille. Bien sûr, l'accident a été suite à un changement du matériau. Comment remédier à ce problème? Donc, les différents modes d'action pour mettre les barrières à des accidents ultérieurs. Pour éviter les accidents qui ont des dommages graves. Alors, un bras broyé. Donc, pour éliminer directement un facteur d'accident, on ne peut pas travailler sur une machine en marche. Donc, lors d'un changement de matériaux, il faut arrêter les machines d'abord. Introduire un élément qui empêche sa production. Donc, il faut nettoyer avant chaque nouvelle opération pour éviter le glissement des ouvriers. Bien sûr, éviter l'accident à la source. Éliminer un facteur qui est une des conditions de sa production. Donc, il faut changer, il faut porter des moyens de protection, à savoir des chaussures adéquates et pas des chaussures inhabituelles. Qui provoquent le glissement facilement. Alors, comment intégrer la sécurité dans un atelier? D'abord, il faut mettre les panneaux d'affichage permettant de sensibiliser
employés, avec des pictogrammes et des mesures de prévention et de conduite à tenir lors d'accidents. Avec des pupitres électriques protégées. Sur le poste de travail, on doit travailler sur un matériel de qualité, miner des moyens de protection. Capot de protection, pupitre de commande, un avertisseur lumineux. Il doit être muni d'un capot de protection arrière, capot de protection avant, avec du bouton d'arrêt d'urgence manuel, un pupitre de commande adéquat et des portes. Bien sûr, spacieuses. Alors, pour conclure, l'analyse de l'accident est un moyen de prévenir la reproduction d'accidents similaires ou plus graves. Elle sert à mieux connaître les risques présents dans la situation de travail et leurs causes, dans la perspective de les éliminer ou bien de les réduire. Alors, analyser l'accident, c'est déjà agir pour la sécurité. Donc, c'est quoi un brainstorming? C'est quoi un diagramme cause-effet? Donc, un diagramme cause-effet est utilisé généralement en association avec un brainstorming. Bien sûr, le brainstorming est le remue-ménage, c'est le recueil des données. Alors, c'est un moyen de déterminer les causes à un problème. Principe de et le suivant. Analyser une situation en faisant faire au sein du groupe l'inventaire des causes possibles à l'origine de cette situation et une prévision des effets qu'il pourrait entraîner. Donc à partir d'un brainstorming, fait un inventaire des causes. Exemple, on souhaite usiner une pièce quelconque commandée par une grande entreprise renommée. Cependant, lors de l'usinage, la pièce se décolle de ses appuis et vient frapper l'ouvrier s'occupant de la fabrication. Après concertation avec l'ensemble du personnel, à partir d'un brainstorming, on élabore le diagramme suivant. Alors, quelles sont les causes d'accident? D'ailleurs, la main-d'œuvre. Donc, on va utiliser les 5 M. Méthode 5 M. Donc, la main-d'œuvre, l'opérateur. Donc, il travaille dans un milieu donc, avec des appuis non propres. Soit la cause, c'est mauvais plaquage de la pièce. La méthode, la conception, donc le serrage a été réalisé à la main. La matière, on a une pince avec un jeu important, ou bien des jeux importants. Et le matériel, c'est la clé est usée. Le milieu est bruyant et stressant.